Good morning, Alaïden. Une étude sur aujourd'hui les Lonishmat Zarabat Mazaltov Shishvorti chez Guy Yaakov Ben Blanche Hajjaj et aussi l'Irfouat Chaya Naomi Rachel Bat Shirel Simcha Betoch Shav Cholei Israël. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba Metzia Perektet Mishnah Yud. Amekabel Sade Mechavero le Shavua Echad. Bishva meot zuz, ashvi'it min haminyan. Kibla emenu sheva shanim, bishva meot zuz, en ashvi'it min haminyan. Question philosophique, est-ce qu'un septena ça fait 7 ans? Vous allez me dire oui. On va voir dans la Mishnah que non. Et on traduit tout de suite. Amekabel sade mechavero, le shavua echad, bishva meot zuz. On parle d'un agriculteur qui prend le bail d'un champ pour un septena en fixant un prix de 700 zouz, hashvi'it min haminyan. Alors la Mishnah nous enseigne que l'année de shvi'it de jacher, donc où l'on ne peut pas exploiter le champ, est inclus à l'intérieur. C'est-à-dire, on a fixé pour un septena 700 zouz. D'accord, la Mishnah nous enseigne, ben sache que même si au milieu de ces 7 années où tu as fixé 700 zouz, il y a eu une année entière où tu n'as pas travaillé le champ, malgré tout tu devras payer 700 zouz dès qu'on va arriver à la veille de la 8e année. À la différence de la Seifa, Kibla emenu sheva shanim bishva meot zouz en hashvi'it min haminyan. Donc, à la différence du cas où Kibla emenu sheva shanim, où il a pris, il a reçu le bail du champ pour Sheva Shanim, pour 7 années, Bishva Meot Zuz, en payant 700 Zuz, En Hashevi'it Min Haminyan, l'année de Shevi'it, de Shemitah, de Jacher, n'est pas inclus dedans. C'est-à-dire, puisqu'on a fixé que je vais exploiter le champ durant 7 années, 7, le chiffre 7, de, pendant 7 années, je vais exploiter le champ. Et on a fixé un prix de 700 zouz. Et au bout de l'aube de la 8e année, le propriétaire vient me dit, ah, ça y est, tu sors mon pote. Je lui dis, mais ça va pas, non? On a parlé de 7 années où je vais exploiter. Il y a une année au milieu où je ne peux pas exploiter, c'est de l'année de Shemitah. Dans ce cas-là, elle n'est pas minaminian, elle n'est pas inclue dans le décompte. On a parlé de 7 années d'exploitation. Pendant un an, je n'exploite pas. Regardez comment ça change selon la manière dont je formule. Si je parle d'un septena, alors, on va considérer que non, bah d'accord, tu as parlé de... C'est la même notion, comme en anglais, sin se for. Où il y a ici, on a parlé d'une entité de 7 ans, un septena. Dans ce cas-là, tu as eu des nuits où tu n'as pas travaillé, au même titre qu'on ne va pas te dédommager en te donnant après du temps. Alors, selon le même principe, on ne va pas te donner ensuite une année supplémentaire pour l'année de Shvi'it. Tu as pris le septena. À la différence du cas où tu as parlé de 7 années d'exploitation, alors là, dans ce cas-là, il faudra qu'il complète l'année de Shemitah. On a fini la Mishnah, il n'y a pas de Barthénora, ça signifie qu'on a fini là, cette fois-ci, une Mishnah en quelques temps. Concrètement, la prochaine Mishnah sera, elle n'est pas longue dans les mots, mais elle sera longue à expliquer. Donc, je saisis l'occasion pour l'introduire tout de suite en voyant dans les psukim, comme ça, Bezrat Hashem. Quand on étudiera la prochaine Mishnah, on n'aura plus besoin de voir dans les psukim. C'est important de voir ça dans les psukim quand même, c'est intéressant. C'est assez important de connaître les psukim de la Torah elle-même. Il y a dans le même principe, on a fini maintenant avec celui qui reçoit le bail et tout ça. On va maintenant entamer pour la prochaine Mishnah, même les deux prochaines Mishnayot, les halachot de l'otalin pour la tsachir. Payer l'employé en temps et en heure. Il y a sur cela une mitzvah assez de la Torah et deux mitzvot lota assez. D'accord ? Une mitzvah active de payer un employé en temps, et on va voir c'est quoi le temps, ça va être l'objet de la prochaine Mishnah, et aussi deux interdits à transgresser. On fait ça dans les mots, on explique le principe, et Bezrat Hashem, demain on reprendra sans le chumash, en expliquant uniquement les halachot explicités dans la Mishnah. Il y a dans deux endroits de la Torah, un dans Vaikra, Parashat Kedoshim, et un autre dans Parashat Kitetsé, dans le Chumash de Harim. Donc dans Chumash Vaikra,
il y a un pasouk, Perek Yutet, pasouk Yud Gimel, il y a un pasouk qui nous dit Lota Ashok et Reacha velotikzol. Lotalin Peolat Sachiritecha ad Boker. Chaque mot est important. La première partie du pasouk, elle ne nous intéresse pas énormément pour notre sujet, mais on les traduit quand même Lota Ashok et Reacha velotikzol. Lotikzol, c'est Gezel, tu ne voleras pas. Lota Ashok, c'est extorquer. Tu n'extorqueras pas à ton prochain et tu ne le voleras pas. Extorquer concrètement, l'Agma explique, on parle de quelqu'un qui a une dette. Par exemple, je dois de l'argent à quelqu'un, je dois même de l'argent à un employé et je lui dis, je te dois rien du tout, je le vole. C'est une manière de le voler. À la différence du cas du vol où j'envoie ma main dans la poche pour prendre quelque chose pour dérober quelque chose qui ne m'appartient pas. Là, je fais uniquement de supprimer mon devoir de rembourser une dette. C'est une autre forme d'interdit. Il y a une raison pourquoi il a fallu expliciter chacun. Mais là n'est pas notre sujet. Donc, ça, la première partie du pasouk, donc, ça vient me prendre deux formes de rapine, de vol, d'extorsion. La suite du pasouk, c'est ce qui nous intéresse là pour le moment. Lotaalin peulat sachir etecha ad boker. Tu ne feras pas, je traduis littéralement, Taline, c'est Melachon, la lune, passer la nuit. Tu ne feras pas passer la nuit à la Peulat Sakhir, au travail de l'employé, Itecha avec toi, Ad Boker. Donc, on parle qu'un employé a fini de travailler chez moi, je dois lui payer, et la Torah vient et me dit, attention, tu n'as pas le droit de laisser passer la nuit, tu n'as pas le droit de d'écouler toute la nuit sans payer le salaire de ton employé, Itra Ad Boker, sans payer le salaire de l'employé qui est avec toi jusqu'au petit matin. Il y a plein, les petits mots en plus là, sont chacun expliqués dans la Mishnah et dans l'Agma encore plus longuement. Et maintenant, ça c'est donc le premier passage qui se trouve dans Chumash Vayikra. Dans Chumash Dvarim, maintenant, qu'on ira bientôt dans Parashat Kitetsé, alors on est dans Perek Kavdalet, Pasuk Yuddalet. Cette fois-ci, ce qui nous intéresse, c'est Yuddalet et Tetvav. Lota Ashok Sachir Aniv Evion. Tu ne feras pas d'extorsion du salaire du pauvre et du misérable. Il y a des raisons pourquoi on parle du pauvre et du misérable. On inclut en fait tout homme et on est venu rajouter plus d'interdits pour ceux qui sont encore plus démunis. Mais Achecha Omigerecha Asher Be'artzecha Bish'arecha. Qu'il s'agisse de ton frère ou du converti. Qui sont avec toi, dans la terre, dans tes portes. D'accord ? On apprendra tout ça dans la prochaine Mishnah, pas la Yud Aleph, mais la Mishnah Yud Bet. On déduira de ces insistances ici quelques halakhot. Ensuite, le pasouk continue et me dit « Beyomo titen scharo » Tu payeras le salaire, son salaire, « Beyomo » en son jour. « Velo tavo ala vashemesh » Et tu ne feras pas écouler la journée. Faites attention. Dans le premier passage de Vaikra, on avait parlé de tu ne feras pas écouler la nuit. Cette fois-ci, on en parle de tu ne feras pas écouler la journée. L'otavo ala vashemesh. Tu ne laisseras pas le soleil venir. Ça veut dire le soleil partir. C'est une expression dans la Torah. On considère que le coucher du soleil, le soleil il est venu, il est parti se coucher. Et donc, concrètement, la Mishnah, la Torah m'enseigne ici de payer l'employé en temps et en heure, et en plus de ça, un interdit de laisser écouler la journée sans le payer. Pourquoi ? Qui a ni où ? Parce que c'est un pauvre. Et Ve'ela Vonoset Amcho, et pour son salaire, il a été prêt de donner sa vie. Supposons que par exemple, il a couru, hein, ça, on encourt toujours des risques quand on travaille, c'est, peu importe ce qu'on fait, qu'on conduise une voiture ou même que l'on monte sur un arbre pour cueillir des fruits, il y a un risque. Plus ou moins de. D'accord ? Donc, Ve'ela Vonoset Nafsho, Ve'lovikra Alecha El Hashem Ve'aya Bechachet. Et donc, tu devras veiller à le payer en temps et en heure, le passage que me dit ensuite, afin qu'il ne prie pas contre toi, parce que si tu traînes pour le payer, il va t'en vouloir et il va prier contre toi, et Chas V'Shalom Ve'aya Bechachet, sache que il y aura des problèmes là-dedans. Il est en droit, il se plaint, tu lui causes un tort, tu lui causes une peine quand tu ne le payes pas. Et on a fini maintenant la traduction des psukim. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de synthétiser les deux notions. On se retrouve en fait avec deux interdits. Un interdit de laisser écouler la nuit,
un interdit de laisser écouler le jour et une mitzvah de payer, une mitzvah positive. Dans la Torah, on différencie les mitzvot positives, les mitzvot assez, fais quelque chose, des mitzvot lot assez, tu ne feras pas. Et il s'avère qu'en fait là, on a une mitzvah assez de payer un employé en temps et en heure, et en plus de ça, deux interdits. Et on apprendra justement dans la Mishnah qu'en réalité, ces deux interdits, c'est soit l'un, soit l'autre, ça dépend du cas. On va différencier l'employé qui a travaillé deux jours, il faut le payer à la nuit suivante. L'employé qui a travaillé deux nuits, il faudra le payer dans la journée qui suit. Et il y aura pour chacun une mitzvah assez, et pour chacun une mitzvah lot assez, un interdit de laisser écouler la journée suivante sans le payer. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Sela.